Salut tout le monde, c'est Santa Wilson, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va pas trop mal. Et aujourd'hui on se retrouve du coup pour la suite de One Shot. Souvenez-vous, on s'était arrêté quand on avait quitté les Landes, si je dis pas n'importe quoi, qu'on avait rejoint ce nouveau territoire. J'essaierai de mieux gérer les transitions. Cette fois j'ai lancé un vrai enregistrement, comme ça j'aurais pas besoin de repêcher celui que j'avais fait, enfin l'ardif du live. Et puis comme ça devrait pas trop mal se passer. Allez c'est parti, allons-y, let's go. Putain, Claude, c'est bien moi. Vous m'entendez? Ouais, à peu près. Pfiou, que s'est-il passé? Tout est devenu complètement noir pendant une seconde. Alors, ça fait pas qu'une seconde, ça fait plus d'une semaine que je t'ai pas revu, mon gars. J'espère que vous allez bien, les gens qui suivent le live. Je vois que vous êtes 3, c'est pas mal. C'est un record, c'est cette chaîne. Bon, alors, ouais, il y avait machin là avec qui je parle. Notre peuple vivait jadis dans ces ruines, mais à cause des inondations, la plupart d'entre nous s'est installé dans les colonies moins permanentes. Les inondations, oui, la terreur s'est déchirée. Le vallon était en un seul morceau avant, tu sais, mais aujourd'hui, ce n'est plus qu'un tas d'îles qui deviennent de plus en plus petites. Donc, c'est le vallon. Ok. Et eux, ce sont des habitants du vallon, j'imagine. Enfin, lui. Je vais juste aussi essayer de baisser un peu le son, parce que... La musique ça va, mais les bruits stridents ça marchait pas bien sur l'ardif avec la facecam, donc je vais laisser comme ça. Je sais pas si ça va beaucoup mieux, faudra me dire pour les gens de la vidéo. Je reviens, j'ai un bug, ça y est, à toute. Ça ne meurt pas. Et bah ça c'est décevant. Ah purée, ouais, ça y est, c'est délabré mon gars. Pika, tu cours, toi. Yep, je trappe des lucioles pour maman. C'est pas gentil, faut leur rappeler aux lucioles. Le pot est rempli de lucioles. Mais, c'est là, tranquille. C'est pas très, très gentil. Attends, alors, j'ai quoi déjà dans mon inventaire? Comment on accède à l'inventaire? S. Ok. Un ombre, un carnet, un tranche. Bon, ça devrait aller. Aloulak, où es-tu? Claude, vous avez entendu Aloula. Je crois que ça vient du sud-est. Je sais pas si c'est Alula ou Aloula, mais Aloula, je trouve que c'est pas sûr. Sud-est. Bon, il est au sud-est. Hé, toi là. T'aurais pas vu une petite fille? Elle est un peu plus petite que moi. Et... Attends, mais c'est le soleil. C'est toi le Messie? Ouais. Je parle des étoiles. Pendant t'avoir parlé de cette façon, c'était pas grave. Qui cherches-tu? Ma petite sœur, ça fait 3 jours que je ne l'ai pas vue. Je cherchais un peu partout, mais peux-tu me la décrire? Elle est un peu plus petite que toi, elle a des longs cheveux bleus, des plumes sur la tête. Je n'ai vu personne qui y ressemblait aujourd'hui. Où l'as-tu vu pour la dernière fois? L'intérieur des ruines. Bah putain, mais laisse pas ta sœur. Elle a dit que ça allait, qu'elle allait vers la forêt, c'est pour ça que j'attends ici. Je ne sais plus où chercher. Ça va le son, les gens du live? S'il n'y a pas de... Enfin, pas trop problématique, le son. Genre, vous m'entendez bien? Ouais, mais les ruines, elles sont où déjà de base, en fait? Grande question. C'est quoi, c'est des ruines, ça? L'entrée est pleine de vignes, Claude. Non, ça, c'est des vignes, a priori. Oh! Un nouveau robot, géant! Le soleil, vous êtes le Messie. Vous dirigez-vous vers la tour? Vous pouvez accéder au refuge par le biais de ce mur. Juste signer le parchemin avant. Avez-vous un stylo? Non, j'ai perdu le mien. J'ai vu en chercher un dans les vallons. Putain, bon, d'accord, il me faut un stylo. Pourquoi je veux pas passer, putain? Machin, je viens délivrer le soleil. Vous êtes sûr que vous pouvez pas faire une exception? Bonjour, personne. Veuillez noter que les ruines ci-dessous sont partiellement inondées. Nickel, merci beaucoup Kabe. On ne devrait peut-être pas être ici, non? Il n'y a aucun danger immédiat, cependant, il n'est pas recommandé de séjourner dans cet endroit. Bah tu diras ça, machine là qui traîne depuis 3 jours dans ses ruines. Bon, faut qu'on la retrouve. On va la retrouver, peut-être qu'elle aura un stylo. Un amas de vignes bloque le passage, faudra peut-être que je trouve une hache ou un truc du genre. On est là pour au moins... Je sais pas exactement combien de temps, mais au max 2 heures, parce que j'ai pas plus d'enregistrement sur ma carte SD. Ou un ordi.
Alors, il s'avère que... Ouais. Alors, attends, on va faire un truc, parce que là, c'est pas excessivement gérable. Mais genre... Si on plante tout ça... Alors, en fait... J'ai pas payé pour ça, moi. C'est-à-dire que t'es là, t'es gentil, mais mon gars... Je savais même pas que c'était techniquement possible de faire ça sur Mac. Genre, qu'un logiciel, il te change tout seul ton fond d'écran. Ça veut dire quoi, d'abord? Genre, franchement. Tu me fais chier, moi, j'avais un beau fond d'écran. J'aimais bien un fond d'écran. J'aimais plus ce que c'était, en fait. Je crois que c'était Octopaf. Ouais, bonjour, Claude. Salut! Je dirais que vous avez à nouveau besoin de mon aide. Sans cela, Nicolas sera plus en mesure de progresser. Cette fois, l'information dont vous avez besoin est tombée à l'endroit le plus simple d'accès sur votre machine. Vous la voyez? Putain, il était sur mon bureau et moi j'ai tout déplacé comme un con! Putain. Ah, attends. Parce que du coup... Ah, attends, on va descendre dans tous les fichiers de mon putain de bureau. Alors, start. Non, rien à voir. Stop. Bla. Là, non, en fait, on va pas faire ça. Je vais juste genre mettre ça comme ça. On va peut-être finir par là-bas. Mais tu me spoiles pas, Kirby. Évitez de me spoiler, s'il vous plaît, en commentaire. Alors, j'ose espérer que c'est passé une capture d'écran. Bla 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 bla. En théorie, c'est trois derrière quoi. Gars, je te jure, c'était... Alors, soit c'est sur le bureau, soit c'est ça, c'est cette merde-là, c'est le fond d'écran, en fait. Écoute, on va partir du principe que je vois. Vous saurez quoi en faire. Je vais partir du principe que c'est le fond d'écran, l'élément qu'il nous faut. Je vais me remettre en plein écran, puis au pire, on reviendra en... On reviendra en normal avant. Pour l'instant. Attends, plein écran, activé. Pour l'instant, on va remettre en plein écran. Je sais déjà comment je vais appeler la vidéo. Je vais appeler comment changer de fond d'écran. Oh mon dieu! J'avais fait ça sur un vieux let's play sur la démo de Infinity Inc. J'avais appelé les titres, c'était des trucs du genre. Passage bloqué par des blocs. Et bah ça c'est curieux. Nous avons deux enfants résident pas loin d'ici. Merci. Bon, bah écoute, il a l'air d'y avoir qu'un chemin. Il y a toujours l'air d'y avoir qu'un chemin. Mon écran est dégueulasse, faudrait grave que je lave. Mais si, je n'arrive pas à y croire. Ce n'est pas une légende. Mademoiselle, vous allez bien? Non, nous ferions mieux de vous emmener au village. Ils pourront peut-être... Ce n'est rien, il est trop tard pour moi. Oh non putain, ne me dites pas qu'il va crever. Le soleil, je ne l'ai pas vu, ça fait si longtemps que je ne l'ai pas senti. Mais si ça ne pose pas de problème, si tu peux me prêter le soleil un instant, est-ce que ça vous aidera? Non, ça ne me sauvera pas. Je voudrais juste ressentir le soleil une dernière fois avant de... Est-ce égoïste de ma part de demander cela? Gars, j'ai des vieux frissons. Que dois-je faire, Claude? En fait, j'ai juste peur que genre... Enfin, comme ça, d'instinct, sur le moment... Je dirais ouais, mais là comme ça avec le recul, la réflexion et le fait que ce soit un jeu vidéo, j'ai peur que ça soit en fait une fin qui veuille me voler le soleil. Donc je sais pas, je fais quoi? Genre me spoiler pas ce qui se passe, hein, mais dites-moi juste, enfin vous feriez quoi les gens du live?
à ma place, enfin, genre, imaginez que vous connaissiez pas le jeu, bien sûr, vous auriez fait quoi? Parce que là, je dois avouer que je suis un peu coincé. Je mettrai aussi un sondage dans la vidéo. Mais là, je vois pas. Enfin, je sais pas. De base, je pense que j'ai eu. Enfin. Lui donner, peut-être pas, mais genre. Enfin. Je sais pas, c'est juste pour lui prêter. De toute façon, si elle crèche droit derrière, ça me va. Mais après, si elle joue à comédie, ce serait chiant. Mais j'ai pas l'impression. J'ai pas spécialement l'impression. De toute façon, après, si on prend rationnellement, si c'est une chouin et qu'elle veut me voler le soleil, enfin, genre, si j'ai moyen de faire un game over maintenant, il m'aurait pas donné un élément aussi gros que cette merde-là maintenant, quoi. Parce que là, ça peut rien m'aider, ça peut pas m'aider à faire ce choix. Donc, je sais pas. C'est tendu un peu. Bon, écoute, je vais lui donner, et puis on verra. J'ai failli oublier. Il fait tellement chaud. C'est bien, non? Les vignes devraient être parties à présent. Je n'ai plus peur. Nous le lui laissons pour l'instant. Les vignes devraient être parties. Attends, je vais devoir me balader comme ça dans le noir. Pendant un moment. Je sais pas si c'est un bon plan. En fait, concrètement. Après, si les vignes sont parties, pourquoi pas. Enfin, genre, il y avait un gros passage bloqué de base. Donc, ça peut être intéressant de retourner là-bas. C'était où? C'était en haut? Et oui, c'était en haut. C'était en haut. C'était. Je crois que c'était pas par là. Je sais plus vraiment. Qu'est-ce que c'est de cette chose en entrée? Ça me rappelle ce que j'ai vu il y a quelque temps dans l'alphabet. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de toucher. Bah, n'y touche pas. Oh! Bah là, ça peut être utile, par exemple. Alors, attends, c'est quoi? Ok, hop, hop. Ah, putain, c'est la même merde que l'énigme de Papyrus, là. Ok. Ok, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. 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 Ok, nice. Tu m'as sauvé. Merci. Je t'ai piégé là-dedans depuis très longtemps. Ouais, PK... PK, tu m'as des grands écranisés. Ça m'énerve. Je t'ai piégé là depuis très longtemps. C'est toi, Lula? Tu sais comment je m'appelle? Ouais, mais si, c'est vraiment tout. En réalité, j'ai rencontré ton frère il y a peu. Ah, d'accord. Bon sang, Calamus doit être tellement inquiet. Tu peux me mener jusqu'à lui? Alors, 2 secondes, parce que déjà... C'est genre très gentil, mais beaucoup mieux. Bah, follow me! Comment savais-tu que je suis le messie? Je n'ai pas le soleil avec moi. Tes yeux, pardon, m'ont rappelé le soleil. Oh, c'est pour cela que tu es le messie, pas vrai? Eh bien, je... Dans mon monde natal, beaucoup de gens ont des yeux semblables aux miens. Dans ton monde natal? Ouais, je viens d'un autre monde, tu vois. C'est un endroit où le soleil est dans le ciel... Et pas dans une tour. Toi aussi tu aimes notre monde? Ouais. Ouais, Calamus n'arrête pas de dire que notre monde devient de plus en plus dangereux. Mais ce n'est rien puisque tu es là maintenant. Tu peux tout arranger. Oui. Ultra cute. Eh, c'est trop mignon. Attends, je peux plus. Alors attends, ouais, parce que par contre, vu qu'il n'y a plus les vignes, je vais quand même aller voir ce que ça donnait là-bas. Moi, je veux bien t'escorter jusqu'à ton frère, mais on va quand même faire un passage. On va quand même faire un saut à l'endroit où il y avait les vignes.
En fait, je fais juste que je passe à droite, quoi. J'ai perdu mon temps. Bon, écoute. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce qu'on a le temps? Ouais. L'ordi, c'est bon. Gars, on va. C'est un labyrinthe, cette merde. Je sais pas comment faire. Je sais plus par où je suis passé à l'aller. Je sais plus par où je suis passé à l'arrivée. Compliqué. Alors attends, j'ai fait ça. Je crois que ça devait être à gauche maintenant, en fait. À gauche maintenant, il devait y avoir les vignes qui m'empêchent de passer. Je vois peut-être pas ici, mais. Bonjour. Les vignes ont disparu. Ah bah oui. On est seul pour le moment, mais dit qu'il était trop tard pour elle. Je comprends. Je dois en informer la ville. Gars, je sens que c'était une connerie, qu'il fallait pas que je fasse ça. Bon, les vignes ont disparu, je pourrais ramener Machina à son frère. En fait, ça sortait juste pour ça. Bonjour monsieur, salut. Je suis là pour faire échange, un échange. Ouais, y a-t-il quelque chose dont tu pourras te débrasser? Fais-moi une offre et je te demanderai question de l'échange. On a quelque chose comme ça, Claude? Non. Pas ma connaissance. Ce mouton. Alors, quand même à dire que j'ai pas spécialement confiance en lui. Voilà. Bonjour. Tu en mets d'avoir rassemblé mes béliers, je te promets une belle récompense. Ouais. Dans une PSU dans le sud, ils sont tous au mauvais endroit, mais tu l'avais placé dans la mousse sombre. Si l'on n'a pas, façonner une coche et se retourneront à la placement d'origine. Absolument. Dégage! Attends, mais comment on fait pour les déplacer concrètement? Ah, ok, c'est ce genre d'énigme. Genre, je les pousse. Va, je te pousse, tu roules, bâtard! Ah, attends, parce que si on fait ça, on peut plus les déplacer après. Je réfléchis. Ouais, alors ouais, attends. Ouais, ok, c'est bon, je l'ai. Hop, voilà, ensuite. Ils ont chanté JBB. Tu as rendu un grand service au peuple bélier. Pour ta récompense, prends cette laine. Oh, merci. Alors, attends, j'imagine que ça, je vais pouvoir m'en débarrasser contre un objet random que machin, il va bien vouloir m'échanger. Quelque chose que j'aimerais échanger, vous acceptez la haine, n'est-ce pas? Que peut-elle me rapporter de la haine? En échange, tu auras cette jolie fiole de. En réalité, je ne sais pas exactement ce que c'est. Un jour de teinture pour vêtements, peut-être. Qu'en pensez-vous, Claude? Bah, je sais pas, on a autre chose. Vraiment, très bien dans ce cas. Claude, vous qu'on fasse une nouvelle offre. Par tous les saints, pendant une seconde, j'ai oublié que je négocie avec un dieu. D'accord. Dans ce cas, je peux aussi ajouter ce shirt commémoratif. Bah, en fait, j'ai peur de bout d'un moment lui faire chier et qu'il refuse, donc je sais pas. Genre, mon gars, acceptons. C'était un plaisir de faire affaire avec toi. Puis au pire, je pense qu'on pourra faire d'autres choses. Ouais, toutes ces choses brillantes, des morceaux de verre, bien vert, des bouteilles de verre vide. Oui, bon, nickel. Voilà, pop. Oh, c'est le sanctuaire où vivait la défunte prophétesse. Je me souviens pas la dernière fois où je suis venu ici. Sans doute était-elle toujours vivante à l'époque.
Bon, en fait, moi, j'aimerais juste retrouver ton frère, déjà. Bonjour. Bonjour. Sans soleil, les récoltes sont mauvaises. Nous ne pouvons pas savoir combien de temps nos réserves dureront. Je t'en prie, Messi, fais vite. Je vais faire de mon mieux. Au pire, en fait, je viens de penser. Au pire. Non, 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 c'était pas ça. Non, 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 ta gueule, va-t'en. Merci. Au pire. C'était quoi? C'était village, ruine, forêt? On va dire forêt. Voilà. De rien. Alula, te voilà sain et sauf. Dieu merci. J'étais prise au piège dans cette pièce. C'était vraiment effrayant. Mais le messie l'a sauvé. Prise au piège dans les ruines. Ouais. Il y avait un truc bizarre sur la porte. Tout ça, les carrés flottants qu'on voit parfois de près de l'océan. Ce truc que tu m'as dit de ne pas approcher. Donc toi, c'est arrivé jusqu'aux ruines. Ça me présage rien. Bon. T'en fais pas, je n'ai pas touché, je suis pas blessé ou quoi que ce soit. Certes, mais si ça empire, nous risquons de devoir trouver un autre endroit où vivre. Que sont ces trucs carrés exactement? Rien de bon. Tout ce que ça touche se détraque. Lorsque les gens disent que le monde délabre, c'est à ça qu'ils font référence. Évidemment, tu devrais les éviter toi aussi. Compris. Bref, je ne saurais pas comment traverser d'une monde alors c'est ma soeur, mais si. Tu peux m'appeler Nico. Oh, ce serait un peu vite de t'appeler par ton prénom. Hein? Mais pourquoi ça le serait? On est presque au même âge, tous les trois. Ah, alors ça te dit de venir voir notre maison, Nico? Bah ouais. Allons-y. Squalala, nous sommes partis. Oh mince. On dirait qu'on ne peut pas passer ce bloc. Sérieusement? Je vais passer devant. Je n'ai pas pensé à ça. C'est dû à tous les débris au bout d'un moment. Ah, cette maison n'est pas très loin. Il n'y avait pas d'ailleurs du genre, fallait pas les toucher. En fait. Alors, bienvenue chez nous. Je sais que ça n'a pas l'air comme ça, mais mets-toi à l'aise. Ah là, voilà. Bon, elle est belle. Tiens, on voulait te donner ça. C'est quoi, c'est un stylo? C'est un stylo porte-bonheur? Ah non, c'est une plume. Peut-être que je peux écrire avec. C'est vite en passant. Faudra juste que je trouve de l'encre, mais. Merde, j'aurais dû prendre une capture d'écran. Putain, pourquoi je suis con? J'aurais dû prendre une capture d'écran. Une contour brillant jaune. C'est une plume sacrée de la grande prophétesse. Oh, oui! C'est cette vieille dame que papa connaissait. Elle est capable de voir l'avenir et ses plumes brillent dans le noir. Pardon. Quelque chose comme ça. Adeline ne sait plus à notre père avant de mourir. Père voulait qu'elle reste dans la famille en tant qu'héritage, mais nous pensons qu'il vaut mieux que tu la gardes. Vous êtes sûr? Totalement. C'est ce que notre père a voulu. Merci. C'est bon, je peux me barrer? On va dire, bah. Alors ça, elle est pleine de poussière la toile d'araignée. Ok, bah on n'y va pas. Attends, il y a un passage à la droite, si je veux juste check ce qu'il y a là-bas. Moi, bien sûr, je cherchais plus un stylo ou quelque chose comme ça. Oh, Lula. J'ai vu que tu te rendais dans la cour, alors je me suis dit que j'allais t'accompagner. Pareil. C'est une balle, c'est la mienne, mais elle ne rebondit pas aussi bien qu'avant. RIP. Alors ça par contre ça m'a toujours semblé très très bizarre et très peu réaliste le fait que genre une maison en trois dimensions, bah comme là quoi, ça c'est censé être le fond, je suis censé pouvoir passer derrière. Ah non, quoique peut-être, enfin si quand même au bout d'un moment. C'est comme si là je pouvais pas passer derrière, et je peux pas d'ailleurs. Ça n'a aucun sens, vu que le mur s'arrête avant. Je vois rien. Ah! Ils ont bop. On dirait que ça mène nulle part. Ouais, les terres sacrées. Ça mène quelque part. Mais autant que ça puisse aller. Ah!
il n'y a plus aucun moyen d'y aller au cas tu l'aurais oublié. Il n'y a aucun bateau et aucun d'entre nous ne sait nager. C'est quoi les terres sacrées? Son droit ne va pas plus enterrer. On va parfois pour rendre visite à un moment, enfin à sa tombe quoi. Oh, attends, comment est-ce que vous y allez? Tu as dit qu'il n'avait pas de bateau. Oh, notre ami nous aide. Il y a une sorte de machine qui lui permet de voler. Parfois, il nous emmène avec lui. Mais comme j'allais le dire, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Je me demande quand il reviendra. J'ai envie de retourner voir maman. Il ne reviendra pas parce qu'il est mort. Toujours à la cour. D'accord. J'en sais rien, en fait. Dites-moi, Spoil. Il y a toujours quelqu'un qui me regarde. Ouais, il y a deux personnes. Salut. J'espère que vous allez tous très bien. N'est-ce pas? Comme le dit la célèbre phrase d'introduction de chacune de mes vidéos. J'espère que vous allez tous très bien. Ah. Attends. Hop. Tout en direct. Au passage, merci pour les 1500 abonnés. Hein? Je sais qu'il n'y a clairement pas tout le monde qui me regarde présentement, mais je tenais quand même à remercier publiquement. Et puis, de nouveau pour la vidéo. Pour la vidéo, c'est juste dire que ça fait plaisir. Putain, on a dit pas de spoil. Bande de fils de machin. Attends. Il y a intérêt à ce que ça soit faux, mais je prends pas de risque, je bloque temporairement. Putain. Dites-nous au spoil. Bon. Go ailleurs. Ah bah attends, ouais, c'est vrai qu'on peut se TP. J'oublie à chaque fois. Ah mais non, on peut pas se TP. J'oublie à chaque fois. Par contre, on peut aller, on peut retourner dans la cour et là peut-être qu'on pourra se TP. Voyager. On va aller où? Ah putain. Endroit où on pouvait voyager là. Mec, je te jure, ce bouton là il m'inspire pas confiance. En plus, qui crie comme ça dans le monde? Je m'attends presque à trouver une croix. Une croix pour pouvoir le bénir. La machin, enfin le je sais pas, l'exorciser, voilà. Bon, à part ça, je pense que je vais bientôt faire l'outro pour la vidéo. Et l'intro pour la prochaine vidéo. Du coup, je vais faire. Bah, écoutez, les enfants, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à voir sur les réseaux sociaux. Il y a toujours le lien en description. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur One Shot, bien évidemment. Et d'ici là, portez-vous bien. Et ciao!